Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous montrer et vous présenter le prestige maximum et le niveau maximum de Call of Duty Cold War. Et il n'y a que deux prestiges à faire. Alors le logo du prestige max de la pré-saison, vous pouvez le voir à côté du nom de Florian. C'est une petite clé comme sur Black Ops 4 si je me souviens bien. En réalité pour l'instant en zombie on a les mêmes logos que sur Black Ops 4 zombie. Donc ça c'est un peu décevant mais bon c'est pas très grave. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment ça se passe. Au début, quand vous lancez le jeu, vous avez 55 niveaux à passer. Chaque niveau vous rapporte des récompenses en multi et en zombie. Quand vous avez passé vos 55 niveaux, vous avez débloqué toutes les récompenses, donc toutes les classes, etc. que vous pouvez débloquer en multi et en zombie. Ensuite, vous arrivez dans le prestige 1. Quand vous êtes dans le prestige 1, pour passer au prestige 2, vous devez monter jusqu'au niveau 50 du prestige 1. Ensuite, vous débloquerez le prestige 2. Alors, il faut savoir que vous n'êtes pas réinitialisé. Vos classes seront toujours débloquées. Donc, pas de panique. En plus de ça, les prestiges passent automatiquement. Vous ne devez pas quitter la partie pour justement passer le prestige 1, puis le prestige 2, puis le prestige 3. Non, ça se fait automatiquement. Alors, quand vous êtes prestige 2, pour passer au prestige 3, il faudra arriver au niveau 100. Et c'est là que vous débloquez le logo que je vous ai montré au début de la vidéo, qui était à côté du pseudo de Florian. Donc, moi, je suis niveau 86. Je ne suis pas encore au max. Mais j'y serai quand même assez vite. Alors, regardez. En dessous, on peut débloquer une variante qui s'appelle la crépuscule. Mais cette variante, je ne sais pas pourquoi, je ne la trouve pas dans mes classes. Alors, ce que je me dis, c'est que la variante, on la débloquera seulement le 1er décembre quand la saison sera lancée. Si bien sûr, vous avez atteint le niveau 50 de la pré-saison. C'est ce que j'en déduis comme je ne l'ai toujours pas trouvé dans mes classes. Or que ça fait un petit moment que je suis déjà passé niveau 50. Alors, il faut savoir aussi que le 1er décembre, il y aura la saison 1 de Call of Duty Cold War. Et là, tout ce qui est en multi, zombie, warzone, tout sera mélangé et il n'y aura qu'un seul pass. Donc toute votre progression sera commune. Donc si vous montez vos niveaux en zombie, ils monteront automatiquement en warzone et en multi de Cold War. Alors dès qu'il y aura la saison 1 qui sera lancée le 1er décembre, nous aurons 4 nouveaux niveaux prestige. Et il y aura carrément un maître prestige avec 1000 niveaux à débloquer. Ça ce sera pour la saison 1. Après ils disent qu'à chaque nouvelle saison, tous nos niveaux seront remis à zéro. Alors je pense qu'il parle des niveaux du pass de combat. Mais ça, ça reste à voir. Mais par contre, on gardera nos prestiges. Et il faut savoir aussi qu'avec les clés de prestige que vous allez débloquer, vous allez pouvoir aller dans une boutique de prestige où vous pourrez obtenir des récompenses en échangeant vos clés de prestige. Genre des logos sûrement, des emblèmes, des camouflages, etc. Et bien entendu, dans la saison 1, nous aurons des nouvelles cartes de visite et des défis saisonniers. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.